Bonsoir et bienvenue au Cube, ici pour cette 113e émission, 113e fois que nous nous retrouvons depuis déjà 8 ans avec toute la fine équipe, avec les équipes du Cube, avec les équipes de JD Carré, les équipes de Triple C, et puis tout cet écosystème qui gravite autour des rendez-vous du futur, ces chroniqueurs. Vous les retrouverez d'ailleurs, vous retrouverez ce soir la revue de presse de Jérémy Coralie, vous retrouverez la case de Merton, vous retrouverez également la minute bouclée. Bref, pour la 113e fois, on va passer un bon petit moment, une heure et demie ensemble. Ce soir, quelques mots-clés importants pour une émission importante. Les mots-clés hospitalité, sensibilité, altérité, fragilité, beauté aussi. Et puis en fait, il y aurait plein d'autres mots en « et » ou pas, mais là, il fallait en faire quelques-uns, donc j'en ai fait quelques-uns en « et » du coup. Les messages habituels, évidemment, le hashtag, vous devez vous en emparer, c'est l'injonction que je vous envoie à chaque fois. Le hashtag RDVF pour faire vivre vraiment ce que vous voyez, faire entendre ce que vous entendez ce soir sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi ça, ça nous permet de partager le plus largement possible et puis de rendre accessible vraiment toutes ces rencontres que nous faisons, vous et nous. Alors ce soir, vous vous attendiez à voir Fabienne Brugère avec nous, et Fabienne Brugère ne pourra pas malheureusement être parmi nous ce soir, mais une prochaine date, elle nous l'a promis, une prochaine date sera calée, parce qu'on a vraiment envie, et on sait que vous en avez envie aussi, de dialoguer avec elle. On a vraiment envie de parler avec elle du care, de l'éthique du care, de l'hospitalité et du genre aussi. Il y a pas mal de choses très, très, très importantes avec Fabienne Brugère à aborder autour du genre. Je pense qu'on a fait le tour sur les messages de service, sur tous les petits messages habituels. Alors installez-vous bien confortablement, vous soyez chez vous, dans le bus, au bureau, où vous voulez. On va être bien. C'est parti. Merci donc à toute cette fine équipe et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet grâce à la revue de presse concoctée par Jérémy et Coralie. A tout de suite. Parlons d'art, d'engagement et de care. Et commençons avec un gros câlin à 360 degrés. Dans un article du 21 octobre, le site Usbek Erika interroge Lucie Macrae, architecte du corps et artiste de science-fiction, qui se refuse à laisser le futur et l'anticipation aux seules mains de la science et de la technologie. Entre autres projets, Lucie Macrae revient sur son futur d'ESPA, installation qui provoquerait la sensation d'un câlin à 360 degrés. Aucun humain ne peut l'imiter, ce qui est à mon sens intéressant à notre époque, où l'on ressent un certain manque de contact physique et un besoin d'expérience plus tactile. Ça déplace un projet artistique dans l'univers du plaisir et dans le monde scientifique, parce que l'on peut supposer que ce genre d'expérience change vos réponses hormonales et relâche de l'ocytocine dans le cerveau. Alors pourquoi ne pas utiliser plus tard le spa comme traitement ? Explique l'artiste qui n'oublie pas pour autant de rappeler que sa démarche est davantage de cristalliser des enjeux plutôt que d'apporter des réponses. Au-delà de la vision de Lucie Macrae, cristalliser des enjeux pourrait être intrinsèquement une des fonctions de l'art. C'est en tout cas ce que laisse penser un article du 9 novembre paru sur Culturebox qui revient sur l'expédition arctique de Yuri Kozirev et Kadir von Luysen. Avec la série Arctic Nouvelles Frontières, les deux photographes alertent sur les effets du réchauffement climatique et l'opportunisme économique que suscite ce territoire. Dans 12 ans, il n'y aura plus de glace en Arctique pendant la saison estivale. La fonte des glaces ouvre des opportunités économiques pour de nouvelles routes maritimes et cela permet d'extraire du minerai, du gaz, du pétrole. Il y a une véritable ruée vers le nord. Alors si la sensibilisation écologique ne fonctionne pas auprès des dirigeants mondiaux, l'art et les artistes ont-ils, eux, les moyens de lutter contre ce capitalisme ultralibéral ? Dans une tribune publiée le 29 octobre sur leséchos.fr, l'essayiste Gaspard Koenig semble répondre par la négative en revenant sur le dernier coup d'éclat de Bansky. Comme l'article le rappelle, lors d'une vente aux enchères, le street artiste a détruit à distance une de ses œuvres venant d'être achetée. S'il s'agissait là pour Bansky d'une nouvelle occasion de critiquer le consumérisme, le piège s'est retourné contre son auteur quand, à la seconde où la toile a été détruite, l'œuvre doublait de valeur. L'éditorialiste souligne. Cette histoire pourrait devenir une parabole de l'impossibilité d'être anticapitaliste. Les principes du marché resurgissent spontanément dans les interstices des projets alternatifs. L'art peut sembler impuissant à changer les structures du monde. Il a pourtant la capacité d'aider les êtres, comme l'explique un article du site The Conversation, paru le 23 octobre. En interrogeant l'accueil fait aux populations déplacées, les auteurs reviennent sur un spectacle créé avec une vingtaine de migrants libanais. Entre fictionnalisation et témoignage des parcours, il s'agit ici de passer du statut de victime à celui d'acteur et d'accompagner l'expression d'une souffrance. Les pratiques artistiques pourraient bien constituer l'un des principaux moyens thérapeutiques dans le cadre d'un accompagnement psychologique des migrations contemporaines. Des politiques qui font l'autruche, des capitalistes qui se frottent les mains, des personnes qui quittent tout pour ne rien retrouver. Je sais pas toi Jérémy, mais j'aurais bien besoin d'un câlin à 360 degrés.
Merci beaucoup Jérémy, merci Coralie, et promis, la prochaine fois que vous vous pointez ici au Cube, on fera un grand câlin géant tous ensemble. Je vous présente Julia Montfort. Bonsoir. Bonsoir Julia. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet esprit de câlinothérapie ? Moi, je suis pour. Ouais. Il faut se faire des câlins et se serrer les coudes. Free hug à fond. Oui. Alors, je vous présente, mais alors, moi, j'ai une manière de présenter très simple, parce que c'est à vous de faire le boulot. C'est, okay. C'est la manière des paresseux, hein, n'est-ce pas ? Et donc, en général, je présente nos invités en lisant juste le profil Twitter, ce qui est très pratique, parce que c'est super court. Et ça résume, a priori, parfois une humeur, parfois ce que vous êtes. Et là, vous dites que vous êtes journaliste indépendante, réalisatrice des carnets de solidarité. Parfait. Mais ça vous définit là maintenant, à l'instant, oui. T, hein, n'est-ce pas ? Oui. Donc on va y revenir, on va détailler évidemment un petit peu plus après. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour vous présenter ? Oui, je suis journaliste depuis une dizaine d'années en télévision. Et je me suis spécialisée dans les droits humains depuis quelques années. Je travaille notamment pour la chaîne Public Sénat, pour une série documentaire qui s'appelle « Les dessous de la mondialisation ». Et on va explorer les tréfonds parfois de la mondialisation pour ramener des documentaires. Et puis voilà, là vous me rencontrez à un moment où je fais un pas de côté. Un switch pour se lancer vraiment dans un projet qui vous tient à cœur. Moi, j'ai une question qui me tient à cœur. Et après, promis, on rentre vraiment sur les carnets de solidarité parce qu'il faut vraiment en parler. C'est nécessaire. On a une question rituelle ici, une question qu'André Brahic nous avait confiée un jour. Lui, son boulot, donc astrophysicien, son boulot, il nous disait qu'il fallait qu'il arrive à l'expliquer à un enfant de 7 ans. Mmh. Et quand on l'avait croisé, il avait peut-être 75 ans, peut-être, et il disait « mais j'y arrive toujours pas ». Et ça faisait 55 ans, peut-être, qu'il essayait vraiment de toujours tourner comment expliquer le système solaire, en gros, de manière très simple, pour qu'un enfant de 7 ans comprenne. Comment vous résumez, comment vous résumez le projet à un enfant de 7 ans ? Le projet Carnet de solidarité ? Oui. Je vais aller poser des questions, rencontrer des Français qui ont choisi de tendre la main. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait il y a un an. Pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert ma porte à quelqu'un qui en avait besoin. Et on s'est posé tellement de questions avec mon compagnon que je me suis dit qu'il fallait que j'y réponde. J'essaye d'y répondre. Et en gros, vous avez décidé de prendre vos bâtons de pèlerin pour aller à la rencontre de ce que vous appelez la France invisible. Absolument. Cette France qui aide, cette France qui agit, mais qu'on ne voit pas, en fait, c'est ça ? Bizarrement, oui, ça ne fait pas la une des journaux. Et j'ai un peu parfois envie de taper sur les doigts de mes confrères qui parlent énormément du repli sur soi, de la montée du populisme. C'est une réalité. Mais il existe une autre réalité, celle d'une France chaleureuse, accueillante et consciente de l'urgence sociale en cours. Et mon boulot, c'est aussi d'aller montrer, pointer du doigt ce qu'on ne voit pas, ou en tout cas ce dont on ne parle pas. Voilà. On va regarder un petit extrait, l'extrait qui a servi justement à lancer ce projet, parce qu'il a été lancé notamment avec une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule. Mm. Et là, on peut en parler avec un grand sourire, parce que vous avez atteint votre objectif, et même au-delà. Oui, grâce à 572 contributeurs, l'union fait la force, les carnets de solidarité vont démarrer. Mm. Ouais. Après, ça vous oblige. Ça veut dire que c'est du boulot, il va falloir les tenir au courant. Absolument. Une vraie équipe. Pas si évident le crowdfunding. C'est vrai. On regarde un petit extrait et après, on reparle du projet et évidemment de Abdellah, qui est un des acteurs clés quand même du projet. Comment est-ce que, juste en tant qu'humain, on peut tolérer que des gens qui fuient l'enfer finissent noyés, quoi ? C'est important de retenir ces grands chiffres. 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, dont près de 3 millions d'enfants. Nous, les humains, avons développé des extraordinaires capacités d'altruisme, d'empathie, de solidarité, mais elles sont devenues bizarrement assez invisibles. L'individualisme et la tentation du repli sur soi gagnent du terrain. Et si pourtant nous étions tous solidaires, si nous avions ça en nous, comment expliquer que parfois cette capacité innée puisse être éteinte par notre indifférence ou par nos peurs ? À 36 ans, je n'avais jamais ralenti mon rythme de vie pour tendre la main. Jusqu'à cette rencontre. Il y a un an, j'ai ouvert ma porte à Abdellah, un migrant de 22 ans.
Le jour de son arrivée, mon mari était en déplacement. J'étais seule avec cet inconnu. Je ne savais rien de lui, à part qu'il a fui le Tchad et qu'il a passé 5 ans en Libye. Je me suis sentie vulnérable. Je me suis posé énormément de questions. Certaines étaient totalement irraisonnées. Qui est-il? Et s'il me dépouillait? Et si c'était un terroriste? Le lendemain, j'ai eu un peu honte de moi. Puis les mois ont passé. Ça, c'est la classe. Nous avons appris à nous connaître tous les trois. Nous partageons nos repas. Merci. Abdelhak dort dans notre chambre d'amis. Et depuis qu'il suit des cours de français, nous en apprenons un peu plus sur l'enfer qu'il a traversé. La première fois, j'ai eu ma mère en 2014. Et pourquoi tu ne peux plus lui parler aujourd'hui? Déjà, pas des nouvelles de ma mère, pas des nouvelles de ma sœur. Je ne sais pas comment ils sont. Cette rencontre a bouleversé nos vies. J'ai envie de comprendre les freins et les ressorts de l'empathie et de l'entraide. Quelles sont les peurs qui nous freinent alors que la solidarité fait du bien? Qu'il suffit de tendre la main pour donner envie d'aider. Pourquoi n'ai-je accueilli personne avant lui? Qu'est-ce qui m'a poussée à le faire cette fois-ci? Et surtout, j'ai réalisé que notre histoire n'est pas isolée. Il existe une France invisible, une communauté solidaire qui agit. Je vais rencontrer ces femmes et ces hommes pour comprendre leurs motivations, entendre ceux qui bénéficient de mains tendues, qu'ils soient exilés ou parmi les Français les plus précaires. Ils racontent une autre réalité, celle d'une France chaleureuse, accueillante, consciente de l'urgence sociale en cours. Ce sont mes carnets de solidarité. Ce projet est totalement indépendant et pour qu'il existe, j'ai besoin de vous pour le financer. Parlez-en autour de vous, partagez le projet sur les réseaux sociaux et contactez-moi pour me raconter vos histoires. Merci de participer à cette aventure. Et merci à vous, Julia, de nous embarquer à bord de cette aventure, parce qu'on va la suivre de très très près. Ben, j'espère que vous serez nombreux. Parce que derrière, donc là, vous allez vraiment organiser tout votre voyage en fonction des retours que vous avez déjà eus, en fonction des histoires qu'on vous a racontées. C'est la magie d'Internet. Je reçois énormément de messages. Encore tout à l'heure, là, j'ai reçu un message d'une dame qui a envie d'agir. Elle ne sait pas comment le faire. Elle a envie qu'on en parle, donc on va en parler. Et puis surtout, je vais aller la voir, comprendre quels sont ses questionnements, ce qui fait qu'elle doute, qu'elle hésite. Mon objectif, ce n'est pas de dire il faut absolument tendre la main, ouvrir sa porte, pas du tout. Moi, je suis journaliste et je vais aller poser des questions, essayer de comprendre et de montrer cette réalité de la France solidaire. Et comparer peut-être ces questionnements avec ceux qui étaient les vôtres, absolument. vous et vos compagnons. On raconte bien ce qu'on a vécu en général. Ouais. Oui, absolument. Je ne pensais pas me poser autant de questions au départ en ouvrant ma porte, mais ça nous a vraiment chamboulés. Et je vous engage vraiment à aller voir le TEDx, un TEDx tout récent, TEDx Paris, que vous avez fait, Julia. Et c'est vraiment un petit bijou de 10 minutes, vraiment, je le dis comme je le pense, parce que vous racontez. Et vous racontez avec votre fragilité, quoi. Vous racontez vos questionnements, des questionnements qu'évidemment on a tous. Et si c'était un terroriste, et je suis complètement folle, je suis seule, mon compagnon n'est pas là, je l'accueille, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas d'où il vient. Et vous avez juste quelques petites infos en voyant son dossier. Vous savez qu'il est passé en Libye, et c'est ce que vous racontez bien aussi. A priori, un passage en Libye, c'est un drame. On n'en sort pas indemne. Et on peut faire de mauvaises rencontres. J'avais une information simplement, la directrice de l'école qui m'a envoyé Abdelhak, qui cherchait un hébergement pour lui, m'avait dit « Abdelhak est sympathique et fiable ». J'avais ces deux mots-là et j'avoue que ça suffisait pour que je lui accorde ma confiance. Et puis, il y avait plus de chances que ça se passe bien qu'autrement, a priori. A priori, mais l'histoire nous montre qu'on est plus, on retient plus justement ce qui est un peu négatif. Oui. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut juste aller un tout petit peu au-delà. La curiosité fait qu'on va au-delà en général, enfin, parfois. Les réactions de votre entourage, parce que ça c'est pareil. Dans votre conférence TED, vous racontez qu'il y a eu des retours dans votre immeuble.
Oui. Des retours un peu inattendus, finalement. Lorsqu'Abdelhak est arrivé chez nous, il était sous le coup d'un avis de reconduite à la frontière, donc il était expulsable. On pouvait l'arrêter à la faveur d'un contrôle dans le métro. Voilà. Donc j'ai pris soin de prévenir mes voisins parce qu'on avait envie de le protéger d'une certaine manière. Donc je les ai tous prévenus pour pas qu'ils soient étonnés. Et puis voilà, parfois on n'est pas à l'abri d'un coup de fil aux autorités. Enfin voilà, vraiment je voulais prendre les devants. Et puis leurs réactions ont été variées, mais dans l'ensemble très positives. Il a été accueilli à bras ouverts et puis beaucoup étaient ravis finalement enfin de pouvoir mettre un visage et un prénom sur ce qu'on appelle communément un migrant. C'était Abdelhak, c'était un jeune de 21 ans, un peu perdu, seul, sans argent, sans une paire de chaussettes. Enfin voilà, tout à coup, il était là face à eux et il y a eu un élan de générosité exceptionnel auquel je ne m'attendais pas. Ouais. Et là, alors, il en est où, Abdelhak, maintenant ? Donc ça fait un an. Ouais. Il fait quoi ? Il apprend de plus en plus le français. Donc ouais. Gaston Lagaffe, c'est pas forcément le mieux pour apprendre tout de suite. Hein, Hurluberlu. Il apprend le français, notamment il a appris grâce à l'école TOT, qui est une école formidable pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Il prend des cours en ce moment tous les matins, tous les soirs. Il apprend l'apiculture dans une association à Bobigny, l'association Espéro. Et puis, côté démarche, en fait, l'histoire d'Abdelhak, elle est similaire à celle de beaucoup d'autres demandeurs d'asile. Lorsqu'il est tchadien, et lorsqu'il est arrivé en France, des compatriotes lui ont dit de faire attention à ce qu'il allait raconter à l'Office des réfugiés, l'OFPRA, parce que la France est parfois main dans la main avec le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est vrai que cette proximité a fait peur à Abdelhak. Donc, il a eu peur de raconter son histoire. Donc, il ne l'a pas raconté correctement. Il a été débouté. Et lorsqu'il est arrivé chez nous, on a mis du temps à comprendre sa situation. Et puis, au fil des mois, il a réussi à raconter sa véritable histoire, qui est une histoire terrible et qui, a priori, va lui permettre d'obtenir la protection de la France. Donc, il a passé un nouvel entretien le 22 août et il attend le résultat. Donc là, il est plus considéré comme délinquant ou borderline, et vous, et tout. Du coup. Et nous aussi, bah oui, parce qu'on risquait quand même 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ça, c'est depuis pas très longtemps, depuis 1995, le délit d'hospitalité. Oui. Le Conseil constitutionnel a sacré le principe de fraternité. Ça doit encore être acté, mais a priori, on ne risque plus de peine lorsqu'on héberge une personne et que sa situation humanitaire est en jeu, quoi, parce qu'il s'agit d'un geste humanitaire. Maintenant, si, admettons que demain, les autorités viennent chez nous et découvrent Abdelhak en train de vider notre lave-vaisselle ou donner des croquettes à notre chat, ça peut être considéré comme du travail dissimulé, puisqu'il est malgré tout encore en situation irrégulière sur le sol français. D'accord. Donc, il reste encore une zone grise. On ne peut pas dire que le délit de solidarité ait été complètement aboli. Il reste une zone grise qui fait que beaucoup de citoyens ont peur de dire qu'ils hébergent quelqu'un chez eux aujourd'hui. Oui. Du coup, il peut pas aider à la maison. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est ça. Il aide peut-être le chat, mais c'est tout. Le chat qui est un acteur aussi du TED. Absolument. Notamment. On va continuer de parler de ces sujets-là. Moi, je voulais juste vous entendre. Je pense qu'on va l'aborder, parce qu'on a évidemment un autre invité qui va nous rejoindre juste après. Mais vous allez rester bien sûr avec nous, parce qu'on va continuer vraiment de dialoguer. Mais je voulais juste vous entendre sur il y a les élections européennes bientôt, donc il y a quand même une échéance très forte politique. Vous l'avez un peu abordé. Il y a une montée des votes absurde. Je le dis un peu comme ça, mais absurde aussi parce que on ne fait rien pour essayer de comprendre et on ne fait rien pour essayer de montrer autre chose. Vous le sentez comment, vous, ça, cette échéance ? C'est pour ça que vous l'avez vu dans la bande-annonce. Moi, j'ai eu envie d'être sincère sur mes craintes, mes peurs. En fait, nous avons tous cette peur de l'autre, de l'étranger. Voilà, c'est tout petit, on nous dit méfie-toi des inconnus, méfie-toi de cet étranger qui peut s'approcher de toi. On a été moulés ainsi. Continuer à avoir cette peur de l'autre, cette crainte-là, ça me pose effectivement un petit peu souci. Et souvent, les votes extrêmes sont liés à cette crainte, à cette peur de l'étranger, cette peur de l'autre.
Je pense qu'il y a du travail à faire qui n'est pas fait, effectivement. Et c'est vrai que ça... C'est dans le livre que je tiens en main, qui sera mon coup de cœur de la fin, spoiler, le livre de Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, où il parle d'une étude Ipsos ou IFOP, où en gros, qui arrive vraiment à démontrer de manière très, très carrée que, oui, à Calais, le vote Front National monte, mais monte parce que la vision de l'accueil et de l'hospitalité de ces demandeurs de refuge que les gens du coin ont, c'est la jungle. Et curieusement, à Paris, ça monte beaucoup moins, parce qu'à Paris, qu'on le veuille ou non, on n'est pas là pour parler voiture, mais en tout cas, il y a des centres, il y a une politique d'accueil, et les Parisiens voient que quelque chose peut être fait. Absolument. C'est quand même très lié, mais ça veut dire que quand l'État fait quelque chose, en gros, ça peut quand même marcher. Absolument. Il y a des choses qui se passent et il faut en parler. Par exemple, le maire de Grande-Synthe a lancé une association avec notamment le maire de Grenoble. Ça s'appelle l'Association des villes et des territoires accueillants parce qu'ils partent du principe que puisque l'État manque parfois à ses obligations, les villes ont un rôle à jouer dans l'hospitalité et dans l'accueil de ces demandeurs d'asile. Il se passe des choses. Voilà, et maintenant, encore faut-il en parler et les médiatiser. Mais il se passe des choses. Ouais. Il y a des choses, mais on compte sur vous pour nous braquer le projecteur de plus en plus. On va se retrouver juste après un petit extrait d'un documentaire qui porte sur un personnage. Et ce personnage, c'est notre invité qui va nous rejoindre et qui s'appelle Edmond Baudouin, le dessinateur. Oui, oui, vous l'avez bien entendu, le dessinateur Baudouin qui nous rejoint avec Charlie. Charlie, vous connaissez bien, bien sûr. On se retrouve juste après. Regarde-moi encore une seconde. Oui, c'est là qu'il y a la vie. Petit, je savais que je dessinerais. Je savais que j'allais passer ma vie à dessiner. Je ne savais pas que j'allais faire des livres. Cet homme au pinceau, c'est Baudouin. C'est son nom. Son prénom, c'est Edmond. Mais il signe toujours ses livres Baudouin. Pour que ça tienne, il faut que ce soit beau. Le trait. Voir le trait qui avance, qui avance. Putain, c'est bon. Putain, ça merde, attends. Aïe, il faut toujours recommencer. C'est ça ? C'est un bonheur extraordinaire pour soi. C'est quelque chose de fantastique. Bonsoir Edmond Baudouin. Avec le micro, ça va être... Bonsoir. On dit Edmond ou on dit Baudouin ? Je signe Baudouin, mais là on dit Edmond. Bonne fête Edmond d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Ah bon ? Bonne fête. Charlie, bonsoir. Bonsoir Éloi. Je te laisse nous présenter notre nouvel invité. Alors, Edmond Baudouin, vous avez toujours aimé dessiner, enfant. Vous dessiniez. Et puis, en commençant votre vie professionnelle, vous êtes passé par un prisme d'un métier un peu différent, celui de comptable, la comptabilité. Et puis, rapidement, est venue une expression que je reprends de vous. L'idée de mourir sans faire du dessin tous les jours de ma vie est devenue insupportable. Et apparemment, du coup, vous avez cessé en fait ce début de carrière dans le domaine des chiffres. Et vous êtes revenu à votre rêve d'enfant, le dessin, à l'encre, le noir, le blanc. Vous êtes un des précurseurs de ce que certains appellent le roman graphique, un style de bande dessinée, on va dire, qui est un peu plus épuré, dans lequel il y a moins de bulles et plus de narration. Et vous avez écrit pas mal, beaucoup, plus d'une cinquantaine d'ouvrages, mais vous me corrigerez. Certains sont plutôt autobiographiques, notamment sur votre enfance. On retrouve aussi des récits, des fictions, des collaborations. Vous avez travaillé avec Le Clésio, Fred Vargas, le dessinateur Troube, Cédric Villani à deux reprises.
Vous travaillez avec le monde du spectacle, notamment le monde de la danse, c'est un environnement qui vous inspire beaucoup. Vous avez beaucoup voyagé dans X pays. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de mal en fait à dresser votre portrait, parce que je trouve que voilà. Il n'y a pas de compte Twitter. Vous n'avez pas de compte Twitter en plus, alors là ça facilite pas les choses. Alors il y a ce documentaire que j'ai regardé, et finalement pour commencer là cet échange, moi, j'avais juste une question simple à vous poser. Oui. C'est Edmond, qu'est-ce qui vous anime dans tout ce travail autour du dessin et de l'écriture? Là. Waouh! Je démarre. Je pars pendant un quart d'heure et puis. Je démarre très fort. Ah ouais, moi je. L'évidence que je vais mourir. Même quand j'avais 17, 18 ans, je le savais. Mais on est beaucoup comme cela, à savoir qu'un jour on va disparaître. Donc la question de qu'est-ce qu'on fait avec les jours que nous avons, avec. Le matin qui commence et puis jusqu'au moment où on est fatigué et qu'on est obligé d'éteindre la lumière. Qu'est-ce qu'on fait de nos jours ? J'aime beaucoup ce que disaient les peaux rouges, les Indiens. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour mourir. Si c'est un beau jour pour mourir, il est beau pour vivre. Voilà, c'est cela qui m'anime. L'évidence qu'il n'y a qu'une vie et que c'est drôlement important de vivre. On ne peut pas vivre toutes les secondes en étant absolument dans cette évidence-là. Il y a bien des moments où on regarde juste un nuage passer. Mais même quand on regarde un nuage passer, on travaille. On travaille pour nous, même à notre insu. Mais vivre tout le temps, regarder la rivière, c'est vivre. Et quand on vous regarde dessiner avec votre pinceau, est-ce que l'idée, et par rapport à ce que vous venez de dire, c'est votre souhait aussi, c'est de laisser une trace? Oui, il y a de ça, sûrement. Laisser une trace, on n'est pas obligé d'avoir un pinceau ou de faire des livres ou d'être... reconnu, de toute manière, on laisse une trace. Donc, c'est avoir la responsabilité de laisser cette trace. Qu'est-ce qu'on fait de la trace? Alors, laisser une trace avec un pinceau, parce que j'ai appris à dessiner enfant et que des éditeurs me permettent de me répandre sur du papier. Pourquoi pas donner de cette manière-là, mais... Ça peut être comme un instituteur, comme un parent, comme un ami, comme quelquefois un prêtre. Laisser donner à l'autre ce qu'on a un peu appris, un petit peu. Juste comme ça. Comment est-ce que vous travaillez? Comment vous dessinez? On le voit en fait dans certains carnets de voyage, vous allez à la rencontre des gens. Et parfois d'ailleurs il y a cette démarche que j'ai trouvée très, très, très amusante et hyper intéressante d'un portrait contre un souvenir. L'idée c'est que vous rencontrez des personnes et pour qu'elles vous transmettent un souvenir, en échange vous dessinez leur portrait. Comment est venue cette idée? Est-ce que vous pouvez revenir sur un exemple? Je pense que les autres mentent toujours. Les premiers livres étaient déjà des portraits de ma mère, mon frère, de mon grand-père. Mais petit à petit, la peur de continuer de parler de moi, de me répéter, et donc d'aller beaucoup plus vers le portrait de l'autre. Et c'est vrai qu'avec Troops, on s'est promené au Mexique, sur la frontière Mexique, États-Unis, et puis après en Colombie, sur les gens déplacés, et puis après sur la frontière en France, Italie-France. Pourquoi? Parce que, eh bien, un peu pour le chemin comme cela. Machado disait, le chemin se fait en marchant. Je ne connais pas la raison exactement. C'est vrai que le Mexique nous a envoyés en Colombie, et puis après on s'est dit, on va en France, il se passe des choses... Mais on ne décide pas vraiment. Le portrait, lui, s'est décidé. Faire le pas. Comment dire ça? On est des milliards aujourd'hui sur la planète. Quand on voyage beaucoup,
ou même si on n'est qu'à Paris, que, ce n'est pas réduction, hein, on traverse Paris à pied, on rencontre des milliers de personnes et on les croise et on ne les reverra plus jamais. C'est quelque chose de terrible, je crois, pour nous tous, ces milliards d'êtres humains que nous sommes, à se croiser comme cela, à se passer à travers. Et bien faire le portrait de quelqu'un, comme va faire Julia aussi, eh bien, c'est quelque chose d'énorme. C'est s'arrêter un moment avec quelqu'un. C'est lui dire, tu t'arrêtes, je te fais le portrait. Et on arrête ce mouvement qui nous fait mal, qui nous... Oui, qui, je ne sais pas, ce n'est pas de l'angoisse, mais enfin, vivre constamment à croiser des personnes, c'est un peu difficile. Faire leur portrait, c'est bien. Est-ce qu'il y a un projet ou un ouvrage qui vous a le plus marqué ? Parce que moi, j'étais incapable d'en faire sortir un ou deux. Hein. Mais vous, est-ce que vous avez un souvenir de tous vos ouvrages ? Dans ce que j'ai fait ? Oui, signé Baudouin. Est-ce qu'il y en a... Les livres, peut-être que des fois on aime le plus, c'est peut-être les livres qui se vendent le moins bien. Un peu comme quand on a un enfant qui est un peu chétif, c'est lui qu'on se préoccupe le plus. Alors peut-être que c'est des livres comme cela qu'on aime le plus. En vérité, c'est pas qu'on les aime le plus, mais les autres, ils sont grands, ils vont tout seuls, ils s'avancent tout seuls dans le monde. Alors peut-être c'est à Matlan, un livre que j'ai fait au Mexique, une histoire d'amour. Et vous nous en dire un petit peu plus, du coup, pour nous donner envie de s'occuper de cet enfant chétif. Ce livre, je suis allé au Mexique la première fois, c'était pour une histoire d'amour. Raconter cela. C'est énorme. Cette personne, elle est bien plus jeune que moi. Et dans le livre, je me suis amusé à être jeune, à être très jeune, pour me moquer d'elle. Voilà. Comment j'ai composé le livre ? C'est en même temps un livre de voyage, parce que tous les deux, même au Mexique, on a beaucoup voyagé. On est allé dans beaucoup d'espaces. Donc, il y a un livre de voyage, et en même temps de voyage pour moi dans le temps, de me retrouver comme un gamin avec Neige, puisqu'elle s'appelle Neige. Merci pour ce témoignage. Et une petite dernière question avant que qu'Éloi en fait nous... L'autre question, c'est comment vous dessinez en fait ? Est-ce que vous êtes chez vous ? Comment ça se passe en fait le processus en tant que tel ? Je dessine toujours debout pour garder mon bras. Je dessine debout. Je travaille très vite. Je fais 2 ou 3 pages par jour. Il me faut travailler vite. Si je reste dans le temps, il faut que je tienne ce qui se passe. J'arrête pas de bouger. Je suis debout, mais je m'arrête. Je me donne des coups de poing dans la main. Je tourne, je reviens, je jette la page, j'en reprends une autre. Oui, c'est un peu obsessionnel. Je suis dans un drôle d'état. Et c'est dans le corps. C'est avec le corps. Je danse. Oui. Vous dansinez. Vous dansez. Oui, je danse. Il faut que je sente aussi bien les mots qui sortent de moi que la main. Il faut que tout cela soit dans l'énergie, dans la sensation. Je ne peux pas m'appliquer. Si je m'applique, s'il n'y a rien qui se passe. Merci. Les inspirations, ça c'est une question un peu rituelle hein, pour un artiste, mais qui vous inspire, qui vous fait venir aussi vers certains sujets ? Donc, j'ai dit le portrait, l'autre, hein, l'autre donc. Mais dans cette grande démarche, le chemin, beaucoup de mes livres s'appellent « Chemin ou sentier », donc toujours l'histoire de Machado qui... peut-être dans les chemins... Les pierres et les arbres. Les pierres et les arbres. Mais c'est aussi des rencontres. C'est les mêmes rencontres que les êtres humains. Hein ? Comment ça ?
Il y a des milliards de pains. Il n'y en a pas un pareil sur la planète. Pas un pareil. Et il y en a des milliards. Et les cailloux, pareillement. Et les vagues de la mer, parce qu'elles aussi m'intéressent. Il y a des vagues. Vous vous mettez sur une plage ou sur un rocher, et la vague que vous voyez, elle n'a jamais été. Fantastique, ça. On va passer une petite chronique, c'est le moment de la case de Merton et on se retrouve juste après et là on dialogue tous les quatre. Bonjour à tous, je voulais moi aujourd'hui aborder la question de la censure et de la tolérance. Alors on a Karl Popper, un philosophe, qui a défini ce qu'il a appelé le paradoxe de la tolérance. Il explique que si on laisse les intolérances s'exprimer, on ne peut pas garder une société tolérante. Il faudrait donc, d'après lui, être intolérant face à l'intolérance, quitte à utiliser la force. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les batailles font rage sur les réseaux sociaux. Et l'une des méthodes dans les guerres d'idées est de tenter de réduire au silence son adversaire. Mais ça marche moyen, parce qu'on se retrouve avec des accusations de censure d'un côté et de l'autre, et on a le fameux effet Streisand. Ça marche à gogo, l'adversaire est souvent, finalement, plus visible après la bataille qu'avant. Quand Dieudonné se fait virer des plateaux télé, que ses spectacles sont annulés, eh ben, il devient une star sur YouTube et son message est encore plus partagé, car flanqué du sceau de l'anti-système. On peut aussi parler de Marceau, un dessinateur d'extrême droite qui s'est fait jeter des réseaux sociaux après avoir encensé l'architecture du Troisième Reich et mis en ligne une illustration où De Gaulle se demande s'il a bien fait de repousser Hitler. Évidemment, il a hurlé à la censure, il a attaqué les Social Justice Warriors qui ont eu sa peau sur les réseaux. On a aussi Éric Zemmour. Les médias continuent de l'inviter, il est condamné pour provocation à la haine, mais il continue d'avoir son émission de télé tranquillou, juste parce que la polémique fait vendre et que ça fait cliquer. On peut même aller jusqu'à YouTube, hein, qui arrive à mettre dans ses tendances des vidéos créées par des complotistes pro-Trump et pro-NRA. Tous ces colporteurs de haine vont donc sur tous les plateaux télé, vont sur tous les réseaux sociaux, hurler à qui mieux que « ouin, 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 on peut plus rien dire ». Et on leur tend les mégaphones pour le dire. Ironique, non? Alors comment est-ce qu'on avance dans ce contexte? Quand les intolérants crient, hurlent, quand nous on fait juste qu'exprimer notre droit à la critique. Je vais juste vous laisser avec ce strip d'XKCD, traduit par Maître Eolas, qui traduit personnellement bien ma pensée, mais j'aimerais aussi avoir votre avis sur la question. À la prochaine! Merci Merton. Une réaction, parce que vous, Julia, par exemple, je vous ai vu bien regarder et parfois hocher la tête, parfois, en gros, remuer. J'utilise énormément les réseaux sociaux, parfois beaucoup trop, mais je trouve ça dommage qu'une enquête, par exemple, une information, une enquête qu'un journaliste aura mis une année à produire, qu'un tweet de ce journaliste-là ait finalement autant de valeur qu'un tweet d'un troll ou de quelqu'un qui va juste avoir envie de dénigrer ou de lancer une fake news. En fait, tout est au même niveau sur les réseaux sociaux. Et ça me pose vraiment question, ça me pose un petit peu souci parce que on est dans une... Et puis on est dans une immédiateté du tweet, de l'information, de tout va très vite, trop vite. C'est la dictature du tout va trop vite, justement. Cette accélération permanente. Il faut faire le tri, maintenant. Il faut savoir utiliser ces réseaux-là. Faire le tri. Vous, Edmond, Je ne vais pas beaucoup. Je mets des dessins de temps en temps sur Facebook, comme si j'envoyais des dessins dans un journal, mais je ne vais même pas voir les résultats. Oui, se mettre en opposition, opposer à ceux qui font du racisme, s'opposer violemment à eux, oui, ça me semble très important. Vous avez eu des problèmes de censure, vous, par exemple, dans votre parcours? Non. Non. Non, je... Non, vraiment. Comme des trucs tout bêtes. J'ai travaillé pour les Japonais, mais c'est tellement ridicule. Dans le métro, je fais quelqu'un qui ouvre la porte et puis on me dit, mais au Japon, les portes, il y a longtemps qu'elles s'ouvrent toutes seules, des trucs comme ça. Non, c'est pas de la censure.
que nous a présenté Merton là, dans sa petite chronique, ça me fait penser en fait au phénomène des fake news. Mmh. Voilà, on est très vigilant, on se demande attention, mais est-ce que ce qui est dit est vrai ou pas au sein des médias, des journalistes, il y a des décodeurs qui sont là pour rapporter en fait la bonne parole, pour être le plus objectif possible. Et puis finalement, en fait, ce qui nous intéresse dans votre travail à tous les deux, c'est un peu de ça, mais finalement non. En fait, c'est quelque chose, c'est votre regard, et votre regard, il est forcément subjectif. Mmh. Alors du coup, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette pseudo course à l'objectivité, alors que finalement, on a peut-être besoin aussi d'une autre forme de subjectivité. Je ne crois pas que l'objectivité puisse exister. Maintenant qu'il faut faire attention quand on est journaliste d'une grande radio, d'une télévision. Mais cet homme-là, cette femme-là ne sont pas objectifs. Ils ont une vie, ils sont nés quelque part, ils sont nés d'une certaine famille, ils ont des idées. Que cela ne transparaisse jamais, ça me semble impossible. D'ailleurs, nous, les auditeurs, on s'amuse quand on écoute les journalistes à se dire « Ah tiens, là, je sens que celui-là, il a une intonation quand il parle comme ça. » Donc, nous-mêmes, on les décode. Je ne veux pas parler là d'Internet, mais on s'amuse à les décoder. Julia, sur cette notion d'objectivité, subjectivité. Il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Par exemple, hier, j'entendais que BFM Télé se félicitait des audiences sur leur couverture des Gilets jaunes. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'objectivité, mais on est dans la course à l'audience. Et donc, c'est un autre facteur qui rentre en ligne de compte dans le traitement d'une information et d'un événement tel que celui-ci. Ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Si on va prendre un sujet en fait que vous avez traité différemment sur les migrants. Donc on a parlé en fait du documentaire de Julia Baudouin. Vous avez coécrit avec Troops un ouvrage récent sur ces migrants qui tentent de passer la frontière italiano-française ou franco-italienne, je ne sais pas comment on dit. Enfin, en fonction du sens sans doute. Quand vient le moment de filmer ou de monter, ou le moment de dessiner, est-ce qu'à un moment donné, vous posez cette question d'être dans quelque chose de juste, ou est-ce que vous posez cette question de est-ce que là, je présente les choses peut-être... voilà, est-ce que vous vous auto-censurez finalement, ou est-ce que vous posez cette question de... que suis-je en train de dire ? Là se pose la question de ne pas trahir la personne qui vous a répondu à la question. Donc c'est là rentre non pas l'objectivité, mais d'être sincère avec la personne, de pas lui faire dire autre chose, parce que des fois on est obligé de couper un peu. Et donc là, oui, il y a quelque chose d'un peu difficile qui est être honnête avec la personne. Que l'on coupe là, avec l'image ou avec les mots. Alors, quand on fait un texte, on envoie. Moi, j'ai envoyé toutes les pages à tous les gens qui ont répondu aux questions avant que le livre paraisse, pour savoir s'ils étaient d'accord avec tout ce qu'ils m'avaient dit. D'accord. Une façon en fait de faire participer vos sources, et donc c'est la notion de sincérité. De sincérité, oui, savoir. Il y en a qui ont un peu corrigé, bien sûr. Et d'accord. Vous, Julia, c'est pareil, vous avez cette approche aussi, c'est derrière, vous avez le montage et le souci d'un format. Parce qu'on va tous suivre et regarder, mais on ne peut pas regarder les 4 heures de discussion que vous avez eue avec quelqu'un. C'est vrai, mais déjà, à la différence de la télévision, je vais pouvoir avoir un format, je ne vais pas rentrer dans un moule, donc déjà, je vais être beaucoup plus libre. Si j'ai envie d'échanger avec Baudouin pendant une demi-heure, on pourra le faire et je pourrai le diffuser, parce que ça va se passer sur YouTube, donc ça, c'est une différence. Mais après, voilà, moi, effectivement, j'ai toujours essayé de ne pas trahir la personne qui était en face de moi, et puis côté objectivité, ou en tout cas, j'ai toujours suivi mon intuition pour poser les questions et essayer d'être au plus près des questions que je me pose, et puis... Oui. Surtout sur ce sujet-là où je vais parler de notre humanité, où je vais aller vraiment réfléchir au ressort de l'empathie, de l'entraide. Je vais essayer de m'écouter, de suivre mon intuition. Ouvrir le plus possible de portes
pour faire confiance à celui aussi qui nous lit ou qui nous regarde, ne pas lui imposer une image. Quand je dis objectivité, bien sûr que j'ai des idées très radicales, mais je fais très attention dans un livre de ne pas... ça, c'est vrai que je... C'est pas que je mets de l'eau dans mon vin, simplement. Moi, quand je fais un livre, je veux ouvrir des portes et non pas enfermer. Hein ? Mais finalement, on pourrait aussi penser que vous êtes aussi, comme tout le monde, dans une espèce de course à l'audience aussi. Vous faites des bouquins, il faut que ces bouquins se vendent, c'est normal. Vous faites un documentaire, il faut qu'il se regarde pour en faire un deuxième, etc. Mmh. Et jusqu'où est l'équilibre, justement, de ne pas devenir BFM ? Ben justement, je ne pars pas avec une idée préconçue de ce qu'il faut, de ce qu'il doit y avoir dans ce documentaire-là. Je ne pars pas avec l'idée que je sais pertinemment ce que le téléspectateur veut voir. Déjà, c'est un autre point de vue et ça change quand même pas mal la donne. Jusqu'à aujourd'hui, on m'a toujours dit, voilà ce que le spectateur aime regarder. La fameuse ménagère de moins de 50 ans aime regarder et entendre ça. Attention de ne pas dire ça ou de ne pas utiliser des mots trop compliqués pour cette personne-là. C'est-à-dire qu'on a une idée très précise en télévision de ce que les gens ont envie et sont capables d'entendre ou de regarder. Je vais essayer de casser ces codes-là et puis suivre mon intuition. Vous, Edmond, pareil ? Je n'ai rien rajouté. Je fais pas de... C'est beaucoup plus libre, le papier. Hein. Alors, j'ai aussi une chance extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, même si je fais un livre qui va se vendre à 500 exemplaires, l'éditeur va quand même me l'éditer parce que je m'appelle comme cela. Et là, c'est une chance immense. Elle s'est faite avec le temps. Vous avez bossé un petit peu. Mais aujourd'hui, dans l'espace où je suis, j'ai plus à me préoccuper de plus trop du souci de l'éditeur, puisque c'est son souci à lui de vendre des livres. Mais l'éditeur va se dire, bon, si j'édite Baudouin, j'édite de la merde à côté, mais je vais me vanter d'éditer Baudouin ou d'autres comme je suis, comme moi. Si on revient un petit peu sur votre dernier ouvrage avec Troops, Humain, la Roya est un fleuve, dont vous êtes allé à la rencontre de migrants. On va reparler en fait du livre en tant que tel, mais aujourd'hui, si vous regardez derrière vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ? À la fois retenu le bonheur d'avoir vécu cela, d'avoir rencontré. Julia disait tout à l'heure rencontrer des personnes sur qui on met pas le projecteur, sur qui personne ne va mettre le projecteur. Ça, c'est important. De faire un acte, de s'arrêter sur des personnes où, pour mille raisons, les télévisions n'ont pas la possibilité d'aller les interviewer parce que ça ne va pas se vendre. Eh bien, nous avons cette possibilité-là. Ça, c'est une chose. L'autre expérience, c'est quand on fait quelque chose comme d'aller voir des gens qui aident, eh bien, se rendre compte de la quantité de ces personnes. Ils sont beaucoup en France. Elles sont beaucoup dans le monde. Et ça, c'est important aussi, de le montrer, d'essayer d'arriver à dire, mais vous n'êtes pas un, vous êtes des milliers à aider de la manière comme vous pouvez. Quelquefois, c'est avec un peu d'argent parce que la personne, c'est trop petit chez elle ou elle va travailler le matin et elle n'est pas là, elle n'est jamais là. Mais chacun a sa manière et tellement de personnes. La troisième, des fois, c'est un peu ce qui est un peu gênant, quelquefois, c'est que on va rencontrer ces personnes, on voit des personnes magnifiques. Et puis après, on fait comme Tintin, on retourne à Moulinsart. Hein, on les laisse sur place. Hein, on l'a senti très fort, là, au Mexique, sur la frontière Ciudad Juárez ou en Colombie, ou même dans la Roya. Tu viens, là, mais les journalistes disent cette difficulté-là aussi. Hein, tu arrives, tu prends... Tu...
tu fais quelque chose de bien, tu mets le projecteur sur ces personnes. Mais quand tu enlèves le projecteur, elles vont continuer à être là, dans leur joie et leurs difficultés. Et quelquefois, au Mexique, elles meurent. Hein, et c'est difficile de partir, de s'en aller, de les laisser là, de dire, bon, ben voilà, moi j'ai un avion dans maintenant une semaine. Ça, c'est quelque chose de difficile. Donc, dans cette expérience, on apprend cela aussi. On apprend à abandonner un espace où il y a de la vie. Parce que il y a de la mort, mais il y a de la vie. Hein. Il y a des, au Mexique, tous les jours, à Ciudad Juárez, il y a des femmes qui manifestent contre la mort. Hein. Tous les jours, tous les jours. Et on les laisse là, se débrouiller avec ça. On va regarder une dernière petite chronique, la minute bouclée, la minute de Laura. Laura l'a bouclée. La minute bouclée, on se retrouve juste après pour poursuivre le dialogue. Bonjour à tous. Alors ça y est, les catalogues de Noël sont arrivés. Christmas is coming. Les rayons de magasins commencent à se mettre en place, avec parfois quelques installations qui laissent à désirer, en entretenant quelques stéréotypes de genre, en différenciant des produits que l'on associerait d'un côté aux garçons et de l'autre aux filles. En 2018, Pépites Sexistes est un collectif qui récolte des illustrations, publicités, publications qui entretiennent ce genre de stéréotypes. Sur ses réseaux sociaux, le collectif publie ses pépites insupportables pour interpeller ce sexisme ambiant entretenu par le marketing. Et Noël est une grande saison pendant laquelle ressurgissent ce genre de stéréotypes. Que ce soit sur les packagings de produits, dans les publicités ou encore dans les catalogues de jouets. Alors Pépite Sexiste a repéré un bon élève. Il s'agit de Jouet Club. La marque met en avant tous les univers de jouets qu'elle propose et bouleverse les représentations dans les mises en avant de produits. À l'image de ce petit garçon que l'on voit sur la page 176 du catalogue de cette année, qui se présente avec une poussette. Ou encore un autre petit garçon un peu plus loin dans le catalogue qui passe l'aspirateur. Mais tout ça n'est pas du goût des haters qui se sont empressés de répondre à Pépites Sexistes, des haters qui se confortent finalement dans des représentations très arriérées, très moyenâgeuses, très limitantes aussi. Alors si vous pensez qu'un petit garçon qui joue aux poupées ou une petite fille qui joue aux voitures, eh bien c'est... contre nature, hein. Alors là, je peux plus rien pour vous, les amis. Associer un rôle à un genre n'a aucun sens. Cette histoire de rôle de genre me fait penser à ce qu'écrit Chimamanda Ngozi Adichie dans son livre « Cher Ajiwil » ou « Un manifeste pour une éducation féministe » aux éditions Gallimard. Elle écrit ceci. Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinstallée dans le vagin. Cuisiner s'apprend. Cuisiner, tout comme les tâches domestiques en général, est une compétence de base qu'idéalement, aussi bien les hommes que les femmes doivent avoir. Pour en revenir aux jouets, dans ce même livre, Chimamanda distingue les jouets définis comme actifs, les voitures, les trains, etc., aux jouets dits passifs, à savoir tout ce qui est les poupées et les poupons. Et à propos de cette distinction de jouets, Chimamanda rajoute dans son livre « Notre culture commence tôt à façonner nos représentations de ce qu'un garçon doit être et de ce qu'une fille doit être. » Cela va à l'encontre aussi de cette idée de laisser les enfants finalement se réaliser pleinement, cher Père Noël. Pour ces fêtes de fin d'année, j'aurais juste une petite requête à te soumettre. Détache-toi de ces carcans infondés, arriérés, désuets et complètement idiots. Le meilleur cadeau que tu puisses mettre sous le sapin cette année, c'est la possibilité d'avoir cette liberté de choisir, la liberté de tester, de découvrir. Enfin, pour conclure, je citerai Fabienne Brugère, philosophe, qui disait il y a quelque temps « Il n'y aura pas d'égalité sociétale entre les femmes et les hommes tant qu'on n'aura pas changé la position des femmes et des hommes dans l'espace privé et familial. » Je n'ai rien d'autre à ajouter. Belle fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Salut! Merci Laura Labouclé, merci pour cette belle chronique qui nous a tous bien fait réagir ici au Cube. Une petite réaction à ce que vous venez de voir. Elle finit par privé, dans l'espace privé et familial. Moi, je dirais aussi dans l'espace du travail. C'est vrai qu'on peut l'oublier.
Et vous, Julia, une... Il y a du travail. Hein. On n'est pas sorti des ronces. Mais il y a de l'espoir qu'on joue les catalogues de jouets avec ce petit garçon. Oui, ça avance finalement. Ça avance. Charlie. Alors, j'ai une première question pour Edmond, mais je pense que du coup, on pourra prolonger avec vous, Julia, aussi. Quand on lit vos différents... Alors, je ne les ai pas tous lus, il y en a 50, mais pas mal. D'ailleurs, il y en a 50 ou il y en a plus ? Plus. Il y en a combien ? 80 environ. Ah là, okay. Je suis complètement à côté. Ok, bon, bah, je sais quoi commander au Père Noël, parce que j'ai entendu ça. Alors, ce qu'on en a lu quelques-uns, on remarque tout de suite votre regard, on en a parlé, et votre curiosité, la curiosité. Et ce qui est très drôle, c'est qu'un jour, dans un événement, en fait, on a entendu Eric Orsena qui donnait l'étymologie du mot curiosité. Et la curiosité, ça vient de care, enfin, C-A-R-E, de celui qui prend soin du monde. Comment ça résonne en vous, là, cette idée que... la curiosité, ça viendrait de cette idée de prendre soin du monde. Ça, je trouve ça très joli. Ça, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Oui, mais la curiosité, elle est tournée vers nous surtout aussi. Hein. Je dirais que Wolinski aimait dire « Je veux mourir moins con que ce que je suis né, hein, qu'au moment de... » Donc, apprendre la curiosité, pourquoi ? Alors que ça ne sert à rien, puisque notre expérience, une grande partie de notre expérience, est toujours recommencée par les nouveaux enfants, hein, depuis des millénaires comme ça. Mais pourtant, chacun de nous, enfin, beaucoup de personnes, veulent continuer à apprendre jusqu'au dernier jour, alors que ça ne sert à rien pour... Cette curiosité, elle est tournée vers soi en premier. Et puis après, si on peut la faire partager, bien sûr, c'est comme ça qu'on fait des livres ou qu'on fait des films. Mais parce qu'à un moment donné, on veut dire à l'autre, attends, je ne sais pas grand-chose, mais un petit peu, tu ne veux pas qu'on en parle, que je te le donne. Et vous, Julia, comment ça résonne dans votre travail, en fait ? Est-ce que s'intéresser à l'autre, oui. Être curieux de l'autre, c'est déjà un premier pas ou premier quelque chose ? Au fond, c'est par curiosité que j'ai rencontré Abdelhak et que cette histoire est arrivée dans ma vie. Hein. Donc là, c'était tourné vers l'autre, mais aussi pour satisfaire ma curiosité, finalement. Sans cette envie, ce souhait, et cette histoire, je ne pourrais pas la raconter aujourd'hui. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours animée, et c'est un peu comme une drogue, la curiosité. Et puis j'ai choisi ce métier de journaliste aussi pour aller poser des questions, donc être curieuse au quotidien. Donc ça me parle forcément. Merci. Donc, curiosité, prendre soin de soi, de l'autre. Merci pour ces regards. Et si on parlait un petit peu de futur, un de vos derniers ouvrages, Edmond, a été écrit avec Cédric Villani, donc éminent mathématicien, mais pas que. Donc, il y a eu deux ouvrages, et puis un sur les bébés robots. Alors, je crois que dans le travail, Cédric Villani était peut-être plus sur le scénario, ou en tout cas, on est sûr sur les formules algébriques. Et puis, vous, sur la partie dessin. C'est pas fréquent qu'on vous voit sur des travaux comme ça, en fait, d'anticipation sur le futur. Une fois maintenant que ce travail a été fait avec Cédric Villani, comment vous voyez le monde de demain quand on parle des robots, d'intelligence artificielle et tout ça ? Est-ce que, dit autrement, parce que ma question est compliquée là, le travail avec Cédric Villani, spécialiste d'intelligence artificielle, a changé votre regard sur le sujet ? Non, c'est un régal de travailler avec Cédric Villani, mais non, les robots, le data, tout cela, non, surtout aujourd'hui, on voudrait que dans les écoles, ils remplacent les êtres humains. Pour tout ça, c'est de la folie. On va vers quelque chose de terrible et les robots, aujourd'hui, nous aident à aller vers quelque chose de terrible. Ou peut-être, ils prennent le dessus sur la... Sur le,
sur nous-mêmes. Je veux dire, on ne peut plus prendre une voiture sans mettre le robot qui nous dit où on va. Et on perd conscience de la route. En quoi c'est terrible ? C'est terrible parce que nous n'avons pas besoin de ça pour marcher tous les jours, pour s'aimer, pour se rencontrer. Nous n'avons pas besoin de cela pour la curiosité. Le robot ne nous aide pas dans la curiosité. Il nous donne des choses, il nous donne du pré-mâché. Il nous donne des trucs qui ont déjà été mâchés par d'autres. Ce n'est pas cela, la curiosité. C'est l'être humain est beaucoup plus complexe que cela. Alors ce livre, j'ai aimé le faire seulement parce que Cédric l'a fait sur quelque chose où le livre démontre, enfin j'espère, que l'homme devient un robot, mais c'est un monde de robots qui va être sauvé par la poésie, donc par de l'humanité. Aujourd'hui, on perd la poésie. Et la poésie, c'est effectivement fondamental dans le quotidien des êtres. On n'est pas obligé de lire des poèmes, hein, c'est pas cela. La poésie tout simplement d'un enfant qui joue dans un bac de sable, il suffit de regarder la poésie qui est là. Hein. Mais ça, le robot ne peut pas vous le dire, ou alors il va vous dire il faut regarder l'enfant qui joue dans un bac de sable. Ça ne va pas, ça. Hein. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Et vous, Julia ? Est-ce que le robot est programmé pour l'entraide et la solidarité ? Pas certaine. Et s'il est programmé pour ? Vous croyez qu'on peut remplacer cette sensibilité humaine, cette tendance à aller vers l'autre, à prendre soin de l'autre, à le care ? Il peut être programmé pour secourir. Secourir dans l'urgence, pour soigner, ouais. Mais pas dans la nuance. Et oui. Il y a des subtilités parfois qu'il faut déceler. Que seul, j'imagine, un être humain a réussi à déceler. Pas pour accueillir. En gros. Est-ce que le robot ouvrira sa porte ? Si quelqu'un vient taper à la porte du robot, oui. Pourquoi ouvrirait-il la porte ? Parce qu'il est programmé pour avoir la curiosité de s'intéresser à l'étranger. Pas de question. On peut faire un épisode, ça. On va passer à une toute dernière séquence, c'est la séquence des coups de cœur. Dans cette émission, on a une sorte de petite partie magazine où on échange nos petits coups de cœur du moment, des coups de cœur métaphysiques ou des coups de cœur très glocaux. Hein, quel qu'il soit. Globaux et locaux. Des coups de cœur humains, hein, puisqu'on parlait, voilà, quelque chose. Des coups de cœur humains. On va commencer par vous, Julia. C'est quoi votre coup de cœur en ce moment ? Mon coup de cœur, c'est le travail des marins sauveteurs de l'Aquarius, qui est aujourd'hui à quai à Marseille en l'absence de pavillon et qui, on l'a appris ce matin, l'Italie a demandé la mise sous séquestre du bateau, donc je pense qu'il ne retournera pas en mer avant des mois. Et mon coup de cœur, c'est pour l'intervention, la conférence de Ludovic Duguay-Pérou, le 6 novembre au Grand Rex à l'occasion du TEDx Paris. On voit des images en même temps que vous parlez, là, on voit des images de lui sur le... Il a été... En fait, il a embarqué le public à bord de l'Aquarius et il a raconté son premier sauvetage en mer. Il n'en est pas sorti indemne. Et pendant 15 minutes, voilà, il nous a embarqués à bord de ce bateau-là. C'est juste bouleversant et je pense qu'il faut partager et partager encore ce témoignage-là parce que il n'y a pas de son, pas d'image, en fait, ouais. Sur ce qui se passe en Méditerranée, et encore moins depuis que l'Aquarius est bloqué. La Méditerranée est un cimetière. Voilà, pas de son, pas d'image. Ces gens se noient en silence. Et, alors, c'est un coup de cœur un peu plombant, désolé, mais je pense que c'est un sujet Oui, mais c'est un coup de cœur important. Aussi pour le récit là, dont vous nous faites part, cette conférence TED. Moi, c'est... Ça fait écho quelque part avec je fais encore référence au livre, à mon coup de cœur d'après, de Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, où il raconte l'histoire du paquebot Saint-Louis en 1930. Paquebot Saint-Louis, en gros, un Aquarius de 1930 qui prend à bord plein de Juifs allemands. Ils partent, ils veulent aller en Amérique, ils se font rejeter partout.
Ils se font rejeter vraiment tous les pays là-bas, Brésil, Mexique, ils sont remontés, Amérique, et ils reviennent en Europe. Ils reviennent en Europe, et il n'y a que peut-être 10% qui ont été débarqués en Angleterre, et les autres ont été ramenés en Allemagne. Les autres ne sont plus là, et ceux qui sont en Angleterre bon, ont pu un peu raconter. Mais cette histoire paraît sans fin, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que le 21e siècle, c'est le siècle des migrations. Donc normalement, on devrait se préparer, on devrait préparer à vivre l'accueil. Tout le monde n'a pas le droit de voyager, de migrer de la même manière. Donc, oui, c'est ça. On peut... D'un côté, les expatriés qui peuvent faire ce qu'ils veulent, les voyageurs, et de l'autre côté, les demandeurs d'asile qui voilà, se retrouvent bloqués aux portes de l'Europe. Partagez cette vidéo, en tout cas. Regardez-la, déjà, et partagez-la le plus possible. C'est important. Edmond Baudouin. Oui. Je vais dire donc ce livre, mais pour rester dans la même zone que Julia... C'est vrai, les traces, puisque ce livre aussi, c'est quelque chose d'une trace qui reste chez quelqu'un. Ce qu'on fait aujourd'hui, la Méditerranée, ce que raconte cet homme, et ce qu'il a en lui maintenant. J'étais à Grenoble et je signais, je faisais des dédicaces. Et c'était au printemps, on avait trouvé une dame à Briançon, morte dans la rivière. Parce que à la fonte de la neige, et je dédicacais. Et puis une maman vient avec sa fille, je ne sais pas l'âge, 8 ou 9 ans, et la maman dit, ben, vous le dédicacez pour ma fille, ce livre. Alors, comme c'est une enfant, je lui dis à l'enfant, qu'est-ce que je te dessine? Et elle me dit, la dame qui est morte dans la rivière. Vous voyez ce qu'on fait? Je veux dire, de traces. Cet enfant a voulu ce dessin, peut-être pour sortir, pour le voir, pour voir cette dame. Mais voilà ce qu'on fait aujourd'hui, hein, aux migrants, mais à nos, puisqu'on s'inquiète de nos enfants, à nos enfants, hein, ce que nous faisons, nos sociétés en Europe. Voilà. Et c'est un peu la même chose, ce livre. C'est de Carole Vanni, ça s'appelle « Femme morte à la théière ». C'est une petite maison d'édition en Belgique. Ça se vend, ça a dû se vendre à 250 exemplaires pour l'instant. Mais c'est pareil, je le rejoins avec tout cela. Quand elle était jeune, Carole Vanni, sa cousine, elles avaient 12 ans, 13 ans, sa cousine a été violée, exécutée après. Et là, elle a 50 ans, elle raconte ses journées. Souvent, elle boit du thé et elle voit son enfant partir à l'école. Elle vit. Et puis, tout d'un coup, il y a l'enfance qui revient. Et comment les traces, comment elles s'en vont pas. On parlait de traces, comment faire de belles traces, mais il y a aussi des traces terribles, comme cette dame dans la rivière, comme... une cousine qui est exécutée quand on a 12 ans. Comment travailler, toujours opposer la vie à la mort, toujours opposer la vie à la mort. Heureusement qu'on continue à le faire, mais la mort, elle a de la puissance aussi. Femme morte à la théière de Carole Vanni. Oui. Et toi, Charlie? Alors, mon coup de cœur, il est différent de ceux qui ont été énoncés un petit peu avant. Donc, en fait, c'est un spectacle, c'est un one-man show. C'est Marina Rollman, en fait, qui fait un spectacle. Elle est aussi chroniqueuse sur France Inter. Et c'est un spectacle très sympa, plutôt humoristique. Alors, on n'y va pas pour rire, se bidonner. Mais on a toujours, en fait, un sourire au coin de la bouche. C'est très chouette. C'est très, très, très bien écrit. Et elle arrive, finalement, en fait, à dénoncer des petites choses sur le féminisme, sur le végétarianisme, sur plein de sujets. Et c'est quand même très, très bien écrit. Et voilà, c'est mon coup de cœur du moment. À voir, elle est encore à l'affiche. Végétarisme ou végétarianisme? Parce que végétarianisme, il y a comme une... Le fait d'être végétarien ou pas. Mon coup de cœur, bon, vous l'aurez compris, c'est La fin de l'hospitalité, l'Europe, terre d'asile, de Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc.
C'est vraiment un livre que je vous recommande, c'est un livre bouleversant, parce que c'est un voyage au pays de l'hospitalité et de l'inhospitalité, donc au pays de la haine, en gros, l'inhospitalité c'est la haine. Et c'est un voyage avec vraiment toute une réflexion permanente. Fabienne Brugère est philosophe et Guillaume Leblanc est professeur à Créteil, mais il est philosophe aussi. Voilà. C'est surtout vous qui le connaissez. Il sera dans ma série. Il a accepté d'intervenir pour un entretien dans les carnets de solidarité. Ouais. D'accord, bah donc on va une raison de plus pour suivre Carnet de solidarité. Donc oui, je vous le recommande. Là, c'est juste avant le moment de se quitter, mais en général, on parle musique. C'est devenu un nouveau rendez-vous. Je dis en général, mais c'est tout nouveau. Mais ça a quelques semaines. Voilà, c'est une chronique musicale. Alors, Edmond Bonnoir, je me suis donné un défi, faire une chronique musicale sur le thème d'Edmond Baudouin. Alors, pensez à vous, à vos livres, et trouvez trois disques dans ma bibliothèque. Autant vous dire que c'était quand même un sacré défi. Alors, je me suis placé devant mon ancienne bibliothèque en bois un peu vermoulu, hein, qui a plusieurs siècles et qui menace de tomber à chaque fois que je ferme l'une de ses portes. Donc là, pour le coup, je les ai ouvertes, les portes, pour pouvoir voir les disques. J'ai fermé les yeux et là, bam, plein de souvenirs, des visages, vos yeux, votre main guidant le pinceau. Plein d'albums qui m'ont marqué, Les Sentiers Cimentés, Les Lâches de la Poussière, Araucaria, Humain la Roya est un fleuve, et j'en passe. Beaucoup d'images, beaucoup de planches et beaucoup de dessins. Et donc là, j'ai commencé à chercher dans mes disques. Et finalement, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de disques, et je me suis rendu compte qu'en pensant en fait, à vos livres, eh bien, ressortaient des disques que j'écoutais, beaucoup plus de poésie ou même des traces d'humanité que je n'avais peut-être pas encore remarquées. Alors, ça a été difficile de venir finalement sur le plateau avec 400 disques, puis je me suis dit qu'il y a peut-être un moment où on allait arrêter, mettre fin à un moment donné à cette émission, voilà, au bout de quelques heures ou quelques jours. Alors, j'ai réfléchi à comment faire pour en sélectionner trois. Et ben, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'avoir trois critères. Alors, je me suis dit que j'avais envie, de choisir quelque chose qui pourrait vous plaire. Bon, c'est plutôt sympa de ma part. Deux, quelque chose qui évoque une dimension universelle ou transfrontière. Je me suis dit, bon, c'est un peu le thème de l'émission, ça devrait passer. Et puis trois, un autre critère, quelque chose de récent que vous n'aimeriez peut-être pas, mais tant pis, ce serait l'occasion de vous le faire découvrir. Alors voilà ce qui est ressorti. En un, alors un disque qui pourrait vous plaire. Eh bien, c'est le titre « Entre dos aguas » de l'espagnol Paco de Lucía, qui m'est apparu. Pourquoi ? Parce que c'est un morceau progressif, énergique, acoustique, lumineux. Et c'est un morceau qui est resté et qui va rester. Il date de 1976, mais il est encore, voilà, il a une forme d'intemporalité. Et puis, il a quelque chose de physique, de matériel. On sent le contact avec l'instrument, les cordes, le bois. Je vous propose d'écouter un petit extrait. D'entrée. Dos aguas de l'espagnol Paco de Lucía. Ça, c'était le premier choix. Vous me direz après si ça vous a plu ou pas. Deuxième critère, c'était quelque chose qui pourrait évoquer la dimension universelle ou transfrontière. Alors là, j'ai trouvé le titre qui m'est venu, c'est le titre Wires, d'un groupe qui s'appelle, un projet même, qui s'appelle Owini Sigoma Band. En fait, c'est la rencontre entre des musiciens de Nairobi et des musiciens londoniens. Ils se sont rencontrés, ils ont travaillé ensemble, donc voilà, entre Royaume-Uni et Kenya. C'est parfois un petit peu funk. Et puis, ça m'a fait évoquer deux mots. Le mot de Kairos, cette idée en fait du moment présent. À ce moment-là, il y a eu une rencontre, il s'est passé quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans vos travaux. Et puis, un deuxième mot-clé, l'énergie. On écoute un extrait de Wires de Owini Sigoma Band. Alors, c'est pas cet extrait-là, puisque là, c'était le premier. Et le deuxième, Owini Sigoma Band.
Merci. Oui, ça, la voix est douce et tout, c'est très chouette. Magnifique. Ah, ça vous va pas. Non, normalement, nous validons. Vous validez ? Je valide. Ok. Et on va prendre un troisième, quelque chose de plus récent. Alors là, je ne sais pas si vous allez aimer ou pas. Le titre s'appelle A Place. L'artiste, il s'appelle Nils Fram. Alors, il fait de la musique néoclassique, musique électronique, minimale, en gros, quelque chose qu'on a du mal à classer. Ce qui est rigolo, c'est que ce monsieur, en fait, pour son dernier album, il s'est enfermé, entre guillemets, il s'est enfermé dans son studio, il s'est amusé à construire même un orgue à tuyaux. Vous imaginez un orgue dans un studio, enfin bon, voilà, pourquoi pas, chacun son truc. Lui, c'était voilà, son idée pour un projet qui s'appelle All Melody. Et c'est quelque chose d'assez simple, et en le réécoutant, je trouve que chaque son, chaque note emmène, évoque, ou trace quelque chose, on va dire trace et tout, hop, encore un mot-clé, ça pourrait être intéressant en fait de le partager. Voilà, ça questionne aussi sur notre place, place hein, c'est le titre, hein. Donc quelle est notre place, quelle est-elle, est-ce que c'est à nous de la prendre, je ne sais pas. Écoutons ce court extrait de Nils Fram avec le morceau A Place. On va être obligé à un moment donné de s'arrêter. Ça continue. Je vous invite donc à écouter ce troisième extrait musical. Voilà pour la chronique. Et toutes les références seront en ligne, évidemment, parce que ça passe un peu vite, mais bien sûr. Vous avez aimé, vous validez les choix ? Ah oui. Comme je peux dessiner là-dessus, ça me plaît. Ouais. Ah, parfait. Paco de Lucia, c'est mon dessin. Mais tous. Et Julia, et vous, Julia, coup de cœur pour le second, Owinie. Owinie Sigoma Band. Owinie Sigoma Band, j'aime beaucoup. Sigoma Band, je vous donnerai les références. C'est le mot de la fin, donc c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci. Vraiment, ça nous a fait vraiment très très plaisir que vous acceptiez comme ça de nous retrouver. Merci Charlie, merci d'être prêté à ce jeu assez inédit de la co-animation comme ça avec moi. On va se retrouver, donc sortez vos cahiers de texte, on va se retrouver le 4 décembre pour une émission avec notre compère Véronique Angèle-Fribert du Forum Changer d'air, avec l'anthropologue Pascal Pic. Le 8 janvier, c'est la rentrée 2019 des Rendez-vous du Futur, et on va la démarrer avec Julia Cagé. Le 28 février, Marc Dufumier, l'agronome, sera parmi nous aussi. Et puis après, il y a plein d'autres dates, bien sûr, mais une fois par mois, suivez-nous sur les réseaux. À tout de suite. Suivez nos invités et leurs projets, bien sûr.